Combien vont gagner Baki et Doumbé au PFL Paris 2024? Vous allez être choqués de la somme. Doumbé a dit qu'il avait signé pour 140 000 euros par combat au PFL. Et contre Jordan Zebo, il a touché 200 000 euros. Donc presque autant que ce que je gagne avec mes vidéos TikTok. Jordan, quant à lui, l'humiliation qu'il a pris lui a fait gagner 10 000 euros et un matelas. C'est ridicule. Au moins, il doit bien dormir maintenant. Bref, pour Baki qui est à l'ARES, c'est plus intéressant. Car le vicieux avec ses yeux fermés ne parle pas beaucoup de chiffres. Mais un combattant à l'UFC va commencer à 20K par combat. Sachant qu'il est à l'ARES, on peut le mettre aux alentours de 15 à 30K. Baki a annoncé son prix pour affronter Doumbé, car ici on signe un nouveau contrat. Il a dit qu'il ne laisserait pas Doumbé tout mettre dans sa poche comme avec Jordan, car dans un combat, on est deux. Pour lui, c'était un manque de respect. Donc si on part du principe que les 200 000 de Cédric sont 70 000 de salaire, plus 70 000 pour la win, et 60 000 de plus pour le pay-per-view, alors on peut mettre pour Baki un salaire entre 50 et 70 000, vu qu'il va perdre le combat et il n'aura pas de bonus de victoire, puis on ajoute minimum 60 000